J'aime me battre. Ouais, 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 ouais. Je vais aller à mon à un spawn que j'avais trouvé en fin de saison dernière, qui était incroyable. Ben on va voir s'il reste incroyable. Et du coup, ça peut être le meilleur spawn de la saison. On sait pas. Je sais pas dans ce qu'il y a pour l'instant, donc bon. Je vais aller là. C'est ça là. Ça, trop fort comme spawn. Vraiment trop fort quand il y avait les poissons. Du coup, il y a toujours les poissons, donc ça me rassure. Mais est-ce qu'il y a toujours les congélos? Parce que s'il n'y a plus les congélos, c'est moins fort. Bref, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de choses qui changent. Au niveau de, je sais pas, il y a beaucoup d'armes en plus, ça c'est bien. Après, bon, il y a toujours les bots. Toujours un peu le même principe, quoi. Ok, alors ça, il y a... Ici, normalement, il y a deux coffres. On pas fou. Putain, comment ça? Il y a toujours les congélos, par contre. Ok. Ah ouais, du coup, il a été nerf de ouf, le gars. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est plus du tout le même spot, quoi. Il n'y a plus rien à voir. Ok, c'est devenu un peu... C'est pas de... Ouais, voilà, dommage. Dommage, dommage. Je sais pas où sont les coffres. C'est dommage, là. Très désagréable, tout ça. Oh, il y a des boogies. Gros. Trop fort les boogies. Trop fort quoi. Abuse gruse. Donc du coup il y a retour de la PM silencieuse qui picote hein. Qui picote aussi. Il fait quelques menus dégâts, va-t-on dire. Bon, du coup, mon spawn a totalement changé, donc c'est plus le meilleur spawn. On va essayer d'en retrouver un. Mais bon, pour ça, il va falloir beaucoup jouer au jeu. Combien de DPS, la bougresse? 156. Ouais, c'est pas énorme, non. Mais ça va, c'est bien. S'ils ont réussi à équilibrer un peu les PM, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que c'était un peu méta PM. Méta spam. Ouais, du coup, il n'y a vraiment pas le mode sensu, hein. Je pense que ça va être la dernière game en vrai de la vidéo. On va quand même essayer de se concentrer pour faire top 1. Hein, ça peut être intéressant. Finir sur une bonne note. Ok. La zone est annoncée. On va faire une petite rota italienne, je sais pas si vous la connaissez. C'est ça. Tu prends la petite Lambo. Paf. Tu fais le créneau. Bah par contre tu te tais, s'il te plaît la radio. Alors, rota italienne les frérots. Ça marche comme ça. Yes. Eh, le pilote. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un château? Il se trame quoi à Pisan Park? Field de Fatal? Fief de Fatalis? Waouh, faut que j'apprenne à lire. Ok. Pisan Park a été un peu modifié, on dirait. Ouais. Mais du coup, il n'y a plus Pisan Park. Incroyable. Bon, du coup, on découvre la carte un peu plus vite. Hein. Ouais, il y a quoi, là? C'est quoi ce truc? Panneau solaire? Ok. J'aime me battre. Allez tiens, petite balle. Gratos. Wesh. Elle est tellement forte cette arme. Elle a une bonne cadence de tir celle-là par contre. Du coup. J'ai enlevé plein d'HP hein. Ouais les gars. C'est embêtant hein. Je suis très embêtant hein. Par contre du coup c'est pas le meilleur truc pour rester en vie de se combattre. Il se remet du shield. Ah, il arrive. Il fait quoi?
Il nous fait quoi, lui? M6! Vas-y, reviens! Reviens dans le trou ici, là, je t'attends! Hey. Plus de shield. Non, j'avance, frérot, j'avance, j'avance. Je vais aller dans une zone grise en fait, j'y pense. Je vais dans une zone grise parce qu'on connaît pas, du coup c'est nouveau. Donc on va aller là, ici, et j'espère que ça va bien se passer. On va essayer de trouver Coral Castle. C'est déjà la saison précédente ça. What the fuck? What the fuck? 102 pierres? Ah oui, quand même. Je suis jamais allé, hein. Mais Baron, c'est n'importe quoi là, non? 96 de pierres, genre en mode arène en fait. Non, ça c'est nul. En mode arène, t'y ralasses direct en pierre là. Là, je serais full, déjà. Bon, je connais pas, par contre, c'est très joli. Ouais, on prend ça. Par contre, y'a que de la pierre du coup. What? 12 de pierres, ça. Ouais, okay. What? 23? Ah ouais, mais c'est abusé là, non? On prend ça. On va se mettre bien comme ça, comme ça. C'est où? Ah, c'est là. What the fuck? Ok. Non, c'est vraiment abusé là, niveau pierre. Hein. C'est né. Hey, meilleur spot! Meilleur spot! Meilleur spot! Ok, bon, y'a pas grand chose ici, je me casse. Je vais aller voir le vaisseau là-bas. On va voir ce qui se trame. Ah, mais y'a une icône vaisseau en plus sur la carte. Ok. Y'a un petit drone qui vole. Ah, c'est comme une zone shot, genre. Non? Ça c'était bien les Unshot Epic Games. Pas pourquoi vous avez abandonné, mais c'était très bien comme idée. C'est dommage. Y'a quoi ici là? Ça n'a pas été fait. Pourtant il y a des builds à côté. Ok, si ça a été fait. Y a quoi? Ok, on peut le farmer. Tac, plus de vaisseau, wesh. Ok, bon. Pas trop ce que ça apporte, je pense que je suis passé à côté de quelque chose là. Ah, il y a une petite lumière là. Je sais pas. Pas tout décorer d'un coup. Hein. C'est quoi ça? Pistolet à énergie. C'est quoi ce bordel? Sans son. Quoi? Bon, pas grave. Pas envie de tester ça. C'est un pistolet à énergie ou c'est une Scar? C'est une AR, genre. Fusil à énergie Stark Industry. Ok. La Scar, elle a combien? 192 DPS, ouais, c'est mieux quand même. Ouais. C'est quoi ça? Holy shit. Vas-y, je le prends, ça c'est trop bien. Ah, ça se recharge et tout. Ouais, d'accord, c'est trop bien ce truc là. C'est quoi? C'est Stark encore. Planche de Silver. Ah, bah non. D'accord. Tant pour moi. Là-bas, ça se bagarre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de me faire tuer, hein. Alors s'il vous plaît. S'il vous plaît, me tuez pas. S'il vous plaît. Y'a quoi? Y'a un mec qui marche en dessous de moi là. Y'a des armes de fou ici. Il y a un coffre. Je comprends pas. Oh, je me suis mis dans une merde.
Il est où ce con? Et c'est quoi ce bordel? Ah vas-y, je comprends pas. Quoi? C'est quoi ça? Ah oh, vas-y, le fusil à... Le fusil machin là, il m'a mis 6000 de dégâts de super loin. J'ai pas beaucoup de balles d'air, hein, au passage. Ah ouais, ça fait plus mal que ta merde. Hein. C'est sérieux là? Vas-y, j'ai pas peur. Il est où? Mais t'es sérieux? Aïe, ouais, bon, je vais à 2 à l'heure avec ça, quoi. What the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? Allez, je suis en train de découvrir un truc de fou là. Gros! Eh, refais ça. Ah mais il est chaud lui. Il me reste. Allez gros, j'habite à Paris maintenant. C'est quoi cette boule de merde là? Vas-y, je peux même pas le looter. Ah si, je peux. C'est quoi ce truc? Oh mon dieu. Bon, il y a des armes mythiques du coup. Tout le monde peut les avoir, visiblement. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, Epic Games. Vous mettez des trucs cheatés, il faut que tout le monde puisse les avoir. Hein, parce que franchement, quoi. L'idée de mettre des armes qui qu'une seule personne qui a dans la game, je suis pas trop fan. Hein. Bon là je suis un peu cunu en vrai. Ça c'est pas mal, par contre vraiment, tu te déplaces vraiment à deux alors. C'est un peu terrible, mais bon. Hop, la voiture qui spawn au dernier moment, ça c'est cool. Alors je vais fermer du bois histoire de m'allumer un petit feu de camp là, et ça met bien. La boule là par contre je suis pas trop fan hein. Après elle a l'air de prendre des dégâts assez facilement mais bon ça veut dire qu'il y a un mec qui peut rush. Prend zéro dégâts quoi. C'est pas terrible terrible tout ça hein. Ça bagarre, oh y'a un space 12. Space 12 en folie. Et il nous fait quoi lui? Oh, ça fait tellement mal. Mais ça fait tellement mal. J'ai raté mon coup de pompe, j'ai fait de la merde. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Le top 1 sera pour une prochaine. Et ouais. On a découvert pas mal de trucs. On va essayer de voir à la fin ce que ça fait, comment il joue en attendant que je parle. On a découvert quand même pas mal de trucs. C'est pour l'instant, moi, je trouve que bah, dans l'ensemble, c'est sympa. Le gameplay va être super fun, j'ai l'impression. Ça, c'est bien. Avoir les objets mythiques s'ils sont pas trop cheatés, ça quand même. Moi ça m'a rendu fou la Kachi et le pompe mythique et tout ça. Je vous prépare une vidéo là-dessus, vous verrez de toute façon. Et du coup, voilà, j'espère que les armes mythiques vont pas être trop fortes. Après, c'est bien qu'ils aient rajouté énormément d'objets, ça fait la diversité dans le gameplay et c'est vachement cool. Je pense que j'ai pas tout vu, mais on en a vu une bonne partie déjà.
Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, après, c'est juste sur le côté un peu partenariat avec Avengers. L'abandon de l'histoire même de Fortnite, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout dans le milieu pro. Moi, je suis beaucoup la scène compétitive dans Fortnite. Et là, on va voir, parce que alors là, les objets qu'il y a, va vraiment falloir faire un choix, réussir à le faire. Ça va être compliqué, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Hein. Je pense pas qu'on aura des top 1, c'est trop loin, tout le monde qui campe. Et ouais, si tu gagnes pas ta partie de matchmaking, après tu te sens trop mal. Donc je vous dis ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.